Voilà, elle est montée cette fois. Ça y est, elle est montée. Bah, tu sais, c'est les plantes qui sont montées en 2 secondes. Normalement, les gens, c'est... Alors voilà un groupe qui vient de se rencontrer depuis environ 1 heure, pas plus. Voilà. Alors, bienvenue à la ferme. Merci, Raymond. Voilà. Et voilà, c'est parti, lundi matin. Lundi matin, café. Il est 9h. Bonjour Béatrice. Comme vous voyez, toute l'équipe est en forme. Salut. Dorian a encore le sourire après 3 jours de fiesta. Stéphane, bah lui, voilà, il a décidé de faire la planche ce matin. Bon Stéphane, tu nous dis un petit coucou quand même. Oh non, il s'occupe avec ses casseroles. Il a la main dans le cul des casseroles. Le café est prêt. Angélique, le café est prêt. J'espère qu'il est bon. Le feu fume encore. On dit plusieurs groupes, c'était dynamique, 2, 3, 4, ça change. Il y avait des projets pour les groupes existants qui étaient venus il y a 3 jours. Les tentes de nos amis arrivaient dans la nuit. Antoine. Bonjour Pierre, ça va ? Les ânes. Je dois être en... Pierre, en pleine forme. Les ânes. Les ânes. Oui. Virginie ? Les ânes, mais pas un Virginie, âne. Notre âme à nous. Oui. Ou les ânes de façon générale. On va la prendre comme ça parce qu'elle prend le soleil, donc elle n'a pas envie de... Ah, l'âne, oui, si tu veux, l'âne. Bon, j'y arrive pas. L'âne. C'est parfait, c'est juste parfait. Si tu peux pas me ah non, c'était celui-là et c'était ce matin. Pas de trop d'attention sur le voilà, je voulais juste confirmer ça. Bon, puis je suis en chemise de nuit, je te signale. Hein. Attends, le matin... Ah non, ça ne se voit pas du tout. Hein. Ouais. C'est pas moi. Voilà, notre âme à nous. Notre grande bienveillance de la lumière. Ce soit un âne ou autre chose. Ils ont du rasoir les dingues, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Ah non, c'est cher. Et alors la table, là, la table, franchement, elle est exceptionnelle, cette table. Rigole, Cathy, va. Belle. Super. Patricia. Gad, Attends, t'as pas vu, Gad. Nicolas. Notre sage-femme. Ouais. Je te papote, je te papote. Tu changes intellectuel le matin à 9h, in the garden. Il était avec son chapeau rose. Alors, premièrement, tu regardes ta tartine, oui. Premièrement, parce que tu vois, moi je pense que justement. Béatrice, merci d'avoir dit. Effectivement. Ça va aller sur la table. Hein. Thank you.
Ah, ouais. Tu vois, je sais même pas. Oui, je suis au bon endroit, mais normalement, en fait. C'est bon. Merci. 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 Et le moment, un quart d'heure de ma vie. Un quart d'heure, c'est parti. Et après le combat, elle en sort complètement fatiguée. Mais je l'ai compris. Dans le temps, c'est de l'ombre. Alors, un quart d'heure. La salle de semaine, c'est comment t'as fait. C'est parti. Non, mais tu es sur une espèce d'énergie qui est spéciale quand même, qui ressemble à l'addiction, qui ressemble à celle qui découle des excès. Moi j'avais un truc comme ça, c'est que j'avais un copain qui était né le 1er janvier. Et donc les réveillons, c'était des trucs, c'était symbolique, ça veut dire que ça ne dormait jamais. Parce que c'était le matin, je rentrais chez moi. Et donc, on ne pouvait pas voir apparaître le 1er janvier sans que ça sorte trop longtemps.